C'est débile ce que j'ai fait, mais bon. 9 petits loups à tuer. Mais pendant que je dis ça, je vais vérifier un truc en vitesse. Au niveau du boulot. Super chiant ce beau truc de boulot où il faut aller se connecter sur un serveur à distance pour seulement pouvoir avoir accès au bordel. Demain, personne à l'ambulance ce soir. Enfin, bon, je ne veux quand même pas culpabiliser. Perd le coup. Terminer la tueuse. Pourquoi j'ai deux quêtes et j'ai trois quêtes avec les autres, moi. Prologue, ok. Quart de var. C'est le prologue que je n'ai point affiché. D'accord, je n'ai rien dit. Toujours vérifier avant quand même. C'est ça le prix là, parce qu'après c'est trop tard.
Bon. Il a un cul-de-chiotte, hein, son casque là. Pas casser les papattes. Ah non, pas casser les papattes. Bon, Cardovar, il est là. Et donc je vais vendre pas mal d'items que j'ai qui traînent. Et donc je vais transférer automatiquement tous les cuirs que j'ai récupérés sur les persos ici pour les travailler avec mon petit Harvund pendant le temps que. Pendant le temps que les deux autres blaireaux remettent leur quête. Ah, ils sont beaux comme des camions tout neufs avec leurs jolis petits casques, je vous raconte pas. Pareil que le ridicule ne tue pas. Ben moi, j'en suis pas si sûr. Bon, je commence par faire le cuir puisque je vais monter ici le menuisier. Ça me permettra peut-être de faire directement des critiques sur le bois que je vais ramasser. Et donc, je souhaite la bienvenue aux gens qui sont en train de regarder en même temps. Je ne sais pas voir qui regarde, tiens, par contre. Sans doute une fonctionnalité que je n'ai pas vérifiée. Et donc pour les gens qui viendraient d'arriver, je signale qu'il y a des promos Steam qui permettent d'avoir des zones à prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire à 8 euros. Première enclume.
Donc je vais pas quand même passer mon temps à faire le craft pendant que les autres sont là. Je faisais ça juste le temps que je puisse remettre mes quêtes. Oh, le bouclier, je vais toujours le verrouiller. Je verrai bien si je le garde en déco ou pas. Ça, le reste, je vends. Oh. Il y a eu un petit lag là, c'est là qu'il faut pas s'exciter, sinon vous vendez tout ce qu'il fallait pas vendre. Et oui, c'est marrant, c'est que les peaux légères, elles ne sont pas automatiquement stackées, les garces. Donc le menuisier, je vais prendre les recettes niveau 2, je peux toujours pas, non. C'est un nourri, c'est pas grave. Bon, voilà. Du bois supplémentaire, excellent. Je suis si occupé à présent que je pense sérieusement à engager des assistants. Ce bois fera parfaitement l'affaire pour la fabrication des tonneaux destinés au vin elfique. Merci de me l'avoir apporté, Arvund. Je vous salue. Me tendrez-vous une oreille? Sentinelle, avez-vous un instant à me consacrer? J'ai quelque chose à vous demander. Brett Willeren, une bonne amie à moi, passe ses journées à s'occuper du vignoble de Limael au nord. Et à l'ouest, elle m'a demandé s'il n'y a pas si longtemps de lui envoyer un tonneau pour un vin spécial qu'elle compte envoyer sur les navires blancs. Je lui ai confectionné un tonneau, mais j'ai besoin de quelqu'un pour lui apporter car je suis trop occupé aux préparatifs de notre départ. Pouvez-vous le lui livrer de ma part? Vous la trouverez dans le vignoble de Limael au nord-ouest d'ici. Salut, bacon donu de pute bandit. Ça, c'est du pseudo de la mort qui tue. Alors, je l'écris parce que forcément, il va le recevoir, je pense, après. Donc, je dois amener la sacoche à Cardovar. Allez, mes petits boulets.